Ces dernières semaines, la contamination moyenne des cas testés positifs au Covid-19 varie entre 25 et 30 cas par jour. Cette courbe ascendante que nous observons de la maladie montre l'ampleur du Covid-19 dans la communauté. Lorsque nous sortons de nos maisons ou encore recevons des visiteurs, nous sommes exposés à deux risques. Être contaminé ou contaminer les autres, d'autant plus que le coronavirus n'a pas de visage et qu'il y a de nombreux porteurs sains. On ne sait plus qui est infecté ou qui ne l'est pas. Le coronavirus est un ennemi invisible que nous sommes tous tenus de combattre. Chacun à son niveau est invité à faire preuve de responsabilité en observant les gestes barrières. Car agir ainsi, c'est se protéger soi-même et protéger ceux qui nous entourent. Malheureusement, depuis l'assoupissement du confinement du Grand Libreville, l'on observe un relâchement des populations dans l'application des gestes barrières requis pour limiter la propagation du virus. Pas de port de masque pour certaines personnes, non-respect du geste de distanciation sociale dans certains espaces publics. Cette négligence observée a contraint le gouvernement à monter au créneau pour dénoncer ces comportements irresponsables qui fragilisent l'action des autorités dans la lutte contre ce mal-être invisible. Le gouvernement déplore le fait que l'assouplissement de la mesure de confinement annoncée par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, lors de son point de presse le lundi 27 avril, avec effet au mardi 28 avril 2020, ait donné lieu, malheureusement, au relâchement généralisé des gestes barrières requis dans le cadre de la prévention de la propagation du coronavirus. Ce relâchement observé sur l'ensemble du territoire du Grand Libreville se caractérise notamment par la non-observation de la distanciation sociale et l'absence du port du masque, geste obligatoire. Le gouvernement dénonce avec la plus grande énergie ces actes d'irresponsabilité susceptibles de faire échec aux mesures de prévention et de sauvegarde qu'il a mises en place. C'est l'occasion pour lui de rappeler l'impérieuse nécessité pour chacun de faire preuve de responsabilité en comprenant que l'assouplissement du confinement ne doit pas faire penser ou croire à l'opinion que la pandémie est désormais éradiquée. La lutte contre le coronavirus nécessite une synergie des efforts consentis par tout le monde, car ne l'oublions pas, le Covid-19 ne fait point d'exception de personne. Au moment où la communauté scientifique mondiale est plongée dans des recherches pour tenter de trouver un remède fiable qui permettrait d'éradiquer le Covid-19, seul le respect des gestes barrières préserve de la contamination.